Hey what's up, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, vidéo spéciale et importante parce que je vais te détailler tout ce que tu vas voir pour la prise de masse pendant ce mois de septembre. Parce que je vais tout te partager, je vais tout te montrer, d'accord? Malgré que j'ai un peu mal à l'épaule. Et aussi très important pour ce début de vidéo, 56% des personnes qui regardent cette vidéo ne sont pas abonnées, d'accord? Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, j'ai 10K, j'ai pas 100K. Abonnez-vous les gars, d'accord? Abonnez-vous tranquillement, tu mets la cloche, tu mets tout, parce que tu vois, tu as les vidéos, t'aimes bien, t'as des conseils, t'aimes bien, abonne-toi, c'est important. Aide un petit youtubeur à avancer, faire les choses bien. Alors, le mois de septembre, il sera très compliqué pour moi, parce que d'une part, je suis blessé, j'ai mal, d'accord? Je sais pas si c'est une blessure ou si c'est une douleur, je sais que c'est à cause de la répétition, le manque de sommeil et une alimentation dégueulasse que mon épaule est mal lâché un tout petit peu entre guillemets, mais il n'y a rien de grave. Enfin, je pense qu'il n'y a rien de grave, tu vois. Ça va être très dur à ce niveau-là, et aussi parce que je pars en vacances vers le 11 septembre, d'accord. Je pars en vacances, on va profiter un peu, c'est important. Du coup, ma prise de masse, elle va bien se passer en vacances parce que là où je pars, il y a une petite salle de sport, donc pour faire les choses bien, faire des petites vidéos cool, ça va bien se passer, mais c'est pas ça le sujet. Le mois de septembre va être compliqué et ma prise de masse va durer 4-5 mois, d'accord? Je ne sais pas combien de temps je vais l'étendre. Et les autres mois, tu vois, octobre, novembre, décembre, on va travailler, ok? Ça veut dire que je vais faire les vidéos YouTube, ça va être bien, ça va être cool, ça va être marrant, on va rigoler ensemble. Mais derrière, bah, j'aurai potentiellement un taf, ce qui fait que je n'aurai pas beaucoup de temps, beaucoup de fatigue, ok? Presque comme vous tous qui regardez la vidéo, d'accord? Donc, je vais faire des programmes adaptés. Je vais faire plusieurs programmes. Parce que tout dépend les tafs que je vais faire avec aussi mon taf dans l'audiovisuel. Parce que je fais de la vidéo aussi à titre professionnel. Donc, je vais faire des programmes split, d'accord? Ça veut dire un petit muscle, un gros muscle. Par exemple, pec, épaule, dos, biceps et tout. Ça va durer 5 jours de la semaine, il me semble. Ouais, 5 jours de la semaine. Je vais faire des programmes PPL, d'accord? Push, pull, legs. Donc pousser, tirer et les jambes. J'ai oublié comment on dit, mais je vais faire des programmes half body un peu, d'accord? Haut du corps, bas du corps, en mode upper, lower, d'accord? Je vais faire ça. Donc ça va bien se passer. Je vais faire les choses bien. Je vais aussi peut-être faire aussi un ou deux programmes full body en plus, d'accord? Tous ces programmes-là, je vais les faire et je vais te les partager sur la chaîne, d'accord? C'est-à-dire que sur la chaîne, tu auras une multitude de programmes prise de masse de moi, ok? Que je vais te partager mes programmes perso. Donc, ce sera à toi de voir si tu as envie de les faire ou pas, si ça te donne des idées ou pas. Ça va être intéressant, ok? Et tu peux te poser une question bête. Pourquoi tous ces programmes? Pourquoi tu vas faire des push-pull legs, des upper-lower, des full body, des splits et tout? Parce que je ne sais pas dans quel état je serai. D'accord? Je ne serai pas dans quel état de fatigue je serai. Parce que j'ai beaucoup travaillé jusqu'en janvier-février là. J'ai beaucoup, beaucoup bossé. Donc, si je suis fatigué et que je ne peux pas assumer un split, je ferai un PPL, d'accord? Si je ne peux pas assumer un PPL, je ferai un upper lower, d'accord? Et si je ne peux pas assumer le upper lower, eh ben je ferai un full body, d'accord? Je vais faire des programmes en sorte que si j'ai 5 jours d'entraînement où je peux être bien, ben je fais mes 5 jours d'entraînement. Si j'ai 3 jours d'entraînement où je peux être bien, ben je fais un programme 3 jours d'entraînement. Si j'ai que 2 jours d'entraînement que je peux faire bien, eh ben je fais 2 jours d'entraînement. Et puis voilà, aussi, c'est vraiment dur, full body, ok? Histoire d'être bien. D'accord? S'il y a une semaine où je me dis je peux venir qu'une fois, ben je me prépare à un programme full body et je suis tranquille. Et ça, je sais que ça va convenir à la majorité d'entre nous, parce que certaines personnes vont aller à l'école. Certaines personnes, ben, ils travaillent comme moi, ils ont un CDI ou un CDD ou peut-être une entreprise. Et ils travaillent et du coup, ils ont pas le temps. D'accord? Donc voilà. Tu pourras choisir le programme qui va te convenir à ton état de fatigue. C'est important. Ça va être l'hiver en plus, il va faire froid, on va construire du muscle, on sera fatigué, les journées vont durer moins longtemps. Donc voilà, il faudra bosser. Maintenant, je vais te parler de la création des programmes. Comment je vais les faire? Alors, je vais mettre en short, je vais mettre torse nu, tu vois.
Je vais me filmer, je vais m'analyser objectivement mes points forts, mes points faibles. Je vais pas faire des vidéos en slip, d'accord? Je suis pas un mec qui met en slip, j'aime pas me mettre en slip sur les réseaux et je vois pas l'intérêt. Je vais mettre en short, je vais monter un peu pour voir les quadrilles et tout. Et je vais voir et analyser, et tu vas le voir aussi, mes points forts, mes points faibles, ce que je veux améliorer, surtout, hein, pas ce que je peux, ce que je veux voir en moi, mes objectifs, et je vais créer mes programmes en fonction de ça, d'accord? C'est-à-dire que les programmes que tu vas avoir, ce sera des programmes purement personnalisés par rapport à moi et par rapport à mes envies et mes objectifs, d'accord? Tu pourras les faire si tu es un débutant, si tu ne sais pas trop quoi faire, tu pourras les suivre, bien entendu. Mais tu verras que à ma manière de faire des programmes, et ben toi, ça va t'inspirer à faire tes programmes aussi, à faire tes propres programmes et à avancer dans ton coin. D'accord? Ça va t'aider. Et moi, c'est mon but, c'est de te rendre autonome aussi. Que tu n'aies pas toujours besoin d'une chaîne YouTube pour faire du sport ou voilà, peut-être pour avoir de la motivation, pour te divertir, mais pour te mettre au sport. Voilà, je veux que tu sois motivé et je vais tout faire pour. Donc ça va être cool, je vais peut-être te faire les plans demain parce que si je te fais les plans là dans la chambre, le fait qu'il y a des ombrages, ben, mon corps il sera cheaté. Comme tu vois, attends, je me mets là parce que mon retour est là. Là tu vois mon bras comment il est là? C'est avec les ombres, c'est avec tout. Or que en vrai il n'est pas comme ça, d'accord? En vrai il n'est pas tracé comme ça. C'est pour ça que je vais me mettre dehors, je vais me mettre torse nu. Et on va voir, analyser mon physique, me critiquer aussi objectivement. Et voilà, comme ça tu vas voir comment je suis en vrai, d'accord, à froid, en vrai, sans congestion et tout. Et ça va nous aider de nous améliorer. Ensuite, au niveau de mon épaule, je vais me reposer une petite semaine ou deux. Je vais voir comment ça se passe, je vais voir comment mon corps réagit face au repos. Et s'il réagit bien, dans le sens où si c'est bon, ça fait pas mal, je peux reprendre, enfin je peux prendre la prise de masse lourde. Je prends la prise de masse lourde, si mon corps a besoin de plus de repos, je vais donner plus de repos. Et je vais décaler la prise de masse en octobre. Malheureusement, si mon corps il me dit stop, malgré que je pars en vacances du 11 au 20, il me semble. Donc ça va, je pourrais bien me reposer. Le corps aura le temps de se mettre bien, d'accord? Mais même si la prise de masse est en octobre, je pense qu'avant le 11, tu auras toutes les vidéos de toute ma prise de masse, d'accord? Tu auras tous les programmes, normalement. Tu auras du full body, du PPL, du upper lower et du split. Et du PPL. Enfin, ouais, j'ai dit deux fois de PPL ou pas. Bref, tu auras tout. Donc voilà, je pense avoir tout déjà à ce niveau-là. Bien t'informer. Comme ça, tu vas voir ce qu'il y aura. Tu vas voir ce qui va se passer. J'espère que ça te plaît. J'espère que tu pourras kiffer la prise de masse. Aussi kiffer voir comment je vais entreprendre ce programme avec mes points forts, mes points faibles. Et ce que je vais améliorer chez moi. Et puis voilà, hein, on va avancer, évoluer et faire une prise de masse ensemble de bonnes conditions. Si t'aimais cette petite vidéo, mets un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait du bien, d'accord? Abonne-toi à la chaîne, c'est très important. Si t'as un truc à acheter sur MyProtein, je t'invite à attendre, d'accord? L'impact week, c'est important, d'accord? Il y aura des promotions, il y aura des trucs, t'attends l'impact week. Et là, tu fais tes achats tranquillement et là, on est bien, à part si t'es pressé, d'accord? Si tu veux prendre de la créatine, parce que tu sens que c'est chaud, tu sens que c'est compliqué, même si que la créatine, je sais pas si ça marche avec mon contre mot, mais si tu veux acheter des trucs, parce que tu as peur que la rupture, elle peut arriver, prends des trucs avec mon code, c'est important, avec le code DAMS sur MyProtein, et puis voilà. Bon, sur ce, moi je te dis, porte-toi bien, et à la prochaine pour la suite.